aujourd'hui une recette pleine de vitamines dont je te laisse découvrir tous les ingrédients et nous on se retrouve en cuisine. Après avoir coupé la papaye en deux, on va retirer les graines. Je vais maintenant découper la papaye, donc je peux simplement la peler et la découper en morceaux, ou alors je peux faire comme moi, des petites billes. Je m'attaque à l'ananas, je lui coupe le plumet. Alors là, on va enlever les yeux. Donc pour retirer les yeux de l'ananas, en fait, moi, ce que je fais, c'est simplement que je tourne tout autour, comme ça, en incisant. Hop ! En fait, je suis simplement une ligne d'ananas. Je le découpe en morceaux. Donc, si le cœur est un peu dur, simplement, je vais tourner tout autour pour le retirer facilement. Je fends de la gousse de vanille et je vais récupérer les graines à l'aide de mon couteau. Comme la salade de fruits va macérer plusieurs heures, on peut quand même laisser la gousse de vanille fendue. On ajoute les grains et on va mettre le reste des ingrédients, à savoir le miel, le rhum, 3 gousses de cardamome ouvertes. Donc pour les ouvrir, simplement, on va appuyer dessus. Et on va mettre les gousses ouvertes dans la salade. J'ajoute enfin une bonne pincée de poivre au citron et je vais laisser ensuite macérer plusieurs heures au réfrigérateur. Et voilà, une salade de fruits parfaite pour affronter l'hiver, pleine de vitamines, d'épices, bref, plein de bonnes choses. À très vite dans Recette Roulette.